Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, tu es en train de prendre en stéréo le stand du Stéréo Club. Et tu as vu que non seulement nous avons des appareils stéréo, des plaques stéréo, hein, tout ce qu'il faut pour voir en relief, et des télés en stéréo. Oh, télé la, 3D. Une loutre. Voilà, donc, et qu'on essaie de mettre en place une télé auto-stéréoscopique, c'est-à-dire sans lunettes. Alors, où est-ce qu'ils en sont là? Bravo. Ça marche ou ça marche pas? Oh oui, le caméscope fonctionne là. On a juste un petit problème pour le raccord avec la télévision. Parce que sur celui-là, si vous ne mettez pas de lunettes, vous ne verrez pas en relief. Mais pour l'instant, on a un affichage côte à côte anamorphosé. À part si tu avais un plus gros budget, mais voilà, parce qu'en plus, comme ça, je peux. Est-ce que tu aurais une photo ou une carte de vie? Non. Vous en aurez bien? Non, je ne sais pas trop si. Vous en avez jamais fait? Oh, si, mais c'est voulu. D'accord. On va être en plus pour moi. C'est pas évident à voir. Je prends Colette à celui-là. J'emmène Colette au restaurant à celui-là. Avec le rendez-vous poitard, j'y arrive pas bien. Ouais, ça le voit assez rapidement. C'est pas net, c'est pas bien. Non, c'est pas rapport. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Oui, tout fabriqué à la main. Ça s'appelle comment? Ça, c'est des zoétropes, 1834. Ça, c'est des phénakestiscopes, 1838, je crois. Et ça, c'est des praxinoscopes, 1876. Il n'y a pas le cinéma est arrivé. Tiens, mais qui voilà? Ah, mais je vous connais. C'est Arnaud et Daniel. Voilà, ma dernière création, une caméra 3D. Et ça fait... Luc, ouais. Tu me regardes? Comment tu vas? Ça va. T'as passé une bonne journée? Eh oui. Toujours fidèle? Patrick, le portrait. Un petit geste de jaillissement là.